Il est belle à vitesse à G. Il est belle à vitesse à G. Et bon après-midi, à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Voilà, là c'est l'arbitre central de cette rencontre. Il est de la Ligue de football du Kataba, Ndala, Jean-Jacques. C'est lui qui devra donc officier cette rencontre, accompagné de l'arbitre assistant 1, Bondo Romain, toujours de la Ligue de football du Kataba. Nous aurons comme assistant Chipoboa Yamba Yamba. Et le quatrième officiel, c'est Kasongo Nyumba. Et nous aurons au commissaire au match, Léonard Marcoutima. Voilà messieurs, bienvenue. Il fallait plus à ces duels. Retenez que les deux coachs, Florent Bengue du côté de l'Esvita Club et Otis Goma, pour cette chose que dans le même dispositif, l'Esvita Club 4-3-3 et de même aussi pour le Dain Club Moutima Pimbi. Et là messieurs Ndala Jean-Jacques qui donne le coup d'envoi de ces énième classico qui nous entre l'Esvita Club et le Dain Club Moutima Pimbi en match comptant pour la 19e journée. Coach Guillaume Kilunga, une équipe du Dain Club Moutima Pimbi affamée qui n'est juste victoire, ceci pour laver la fond car le Yaring était battu lors de la manche allée. Et de l'autre côté, nous avons l'Esvita Club qui vient de déchirer l'invincibilité, les brevets d'invincibilité du Yaring tout puissant Mazembe Englebe sur la nationale en le battant sur le score d'un but à zéro. Cela, je voulais tout simplement dire que cette rencontre nous réserve énormément de grandes choses. Oui, vous savez, le match de club des Ligues a toujours été un match très engagé. Et surtout un match qui est très déterminant par rapport au classement et aussi à la qualification en compétition continentale. C'est ce qui révèle tout l'enjeu de cet après-midi, étant donné que le club est dans une dynamique positive avec leur opération 3 points. Et donc ils sont en train donc, de se procurer beaucoup de victoires. Aujourd'hui, Deringue est venu avec un esprit de vengeance. Voilà, là nous sommes dans le cadre du club Moutima Pimbi, belle défense de la part de Matolo Makuntima qui s'est dégagé, ce duel aérien, voilà, il n'y a pas faute. Et la récupération, ce duel aérien entre Munganga, voilà, Fabrice Ngoma qui s'appuie sur son coéquipier Mukoko Tonombe. Là c'est Parala Litombo qui va s'appuyer sur Glodingo Ndamuzinga, à qui joue avec Muzungu qui perd les cuirs et le dernier qui va devoir repartir avec Dabo Chibamba Sanou qui était à la quête d'un partenaire démarqué. Là il s'est appuyé sur Mukoko Amale qui a joué loin devant. Une belle défense de la part de Djuma Chabani et qui a opté pour son gardien qui n'est autre que Nelson Lukom. Nelson Lukom qui a déjà totalé 10 ans dans cette équipe de l'Esvita Club. Il est dans cette équipe depuis 2008. C'est sur le terrain, franchement, c'est les joueurs les plus capés, coach. C'est normal parce qu'il a une discipline de fer et c'est un bosseur. Et chaque fois qu'il est sur le terrain, il est en train toujours de chercher à faire donc mieux. Et c'est comme ça qu'il est vraiment en réussite et en constance de faire le but de cette prestation. Voilà, il y a ces batailles-là au milieu du terrain. Et tout le monde, il va s'appuyer sur, non, il perd le ballon. Et belle défense, belle couverture des balles de la part de Djuma Chabani. Et qui revient en arrière avec Padou Kokunga qui lui aussi choisit Nelson Lukom. Et pour l'instant, les deux équipes. Et c'est un petit peu désobserver l'Esvita Club qui pour l'instant détient le cuir, mais le dernier club monté Mapembe est en train de. Voilà, là c'est Jean-Marc Boudé de Marcoussou qui s'appuie. Attendez pour Jésus Moloko qui appelle. Peut-être le centre. Non, Jésus Moloko. Ah c'est centre. On rate Gazo. Là 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 là. Oh quel passe en retrait. Ah c'était bien joué de la part de Jésus Moloko qui appelle sur cette action. C'est une bonne phase des jeux, il nous passe en retrait. Jean-Marc Moscou, vous nous dites avec beaucoup de vista. Il a laissé la balle que Muzungu devait exploiter. Malheureusement, il n'y a pas eu une bonne lecture de la part de Muzungu qui n'a pas su exploiter. Oh, c'était une très bonne phase et une balle vraiment très dangereuse dans la dernière zone de finition. Voilà, nous sommes dans le camp de la Zita 9, Nelson Mugamba qui s'appuie sur Muzungu, le Chadrak, Muzinga. Muganga, Muganga, une fois de plus qui s'appuie sur Muganga. Non, là c'était Fabrice Ngoma qui a voulu trouvé
avait pas tout du programme et celui-ci n'était pas du tout concentré sur cette balle parce que ça profite du coup d'un club au team appelé qui a bénéficié de ce jour à santé, qui revient en arrière avec Kik. Attention pour Jésus Moloko. Oh, il y a beaucoup sur cette action. Et c'est un là, Lati, qui est contre l'interprété. Oui, comme je l'ai dit, Daïm a vite le bien corrigé parce que le couloir gauche est très sollicité. Donc, c'est mis vraiment d'opté par Jésus Moloko qui le joue écarté. Donc, ça veut dire qu'il faut beaucoup plus empêcher les balles de départ pour ne pas permettre à Jésus Moloko de continuer à aller proche. Dans les cas contraires, il y aura un problème parce que Jésus va très vite. Il est capable de fixer et surtout d'appeler la perfection et beaucoup plus rapprocher les attaquants de celui gardé par Fabrice Mwamba. Mais chaque fois qu'il a un joli téléphone qui vient de Munganga Omba, son capitaine, eh bien, il est en train de faire le spectacle qui le fasse très facilement. Et j'ai la vie, et il y a de la rapidité de son côté. Ah, mais si un papa qui téléphone, c'est tout vraiment change Badel. Mais au terrain, il faut aller le solliciter. Et ça le fait quand même cet après-midi. Il ne se défend bien. Non, parce que là il y a un problème au niveau de certains joueurs. Si je dis Moloko aujourd'hui a vite compris les vite le compte le corps avec lui amener les balles beaucoup plus dans le dos de la défense, donc les balles dans le dos de la défense. C'est vraiment difficile pour un défenseur. Ici toi un latéral d'arrêter un attaquant qui a un point de vitesse dans la frappe de jeu. Voilà, c'est le gardien Moukoko qui va bien diriger son mur et de suivre le mouvement du salvateur pour les verts et noirs de la capitale qui est très important et également lui il doit avoir le compas dans son œil, question d'étudier la trajectoire. Lance basse, leur permet 42e minute de se rapprocher. Et quand on domine le milieu de terrain, on a la situation de l'Amérique. Marquard indique toujours en but partout en jeu, 43e minute de jeu. Un mauvais dégagement de la défense. C'est toujours là, c'est toujours l'équipe de Yannick Mandela. Dans son temps, il cherche à s'organiser. Fabrice Mwamba, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue en arrière avec Yannick Mandela. Certainement, il va chercher à changer le côté de Yannick Mandela. Il soulève, cette fois-ci il passera pas. Qui a voulu trouver Chabani qui récupère le ballon. Chabani, il soulève, voilà, c'est pas de réparation pour la tête de Jean-Marc. Attention, là c'est Moussoukou. C'est la frappe. Oh, le deuxième but. Le deuxième but de l'Hospital Club. Alors, on joue la 44e minute. Et c'est fait. Le vert et noir de la capitale. Après une avance. Oui, ça c'est une des concentrations dans la défense de Dering. Ils ont été, comme je dis, qui est trop attentifs. Il fallait aller vers le porteur de la balle. Sur donc un deuxième ballon récupéré par Mouzoungou qui s'est écarté, qui s'est mis sur son pied d'appui. Il a fusillé en face le gardien Moukou Barel qui n'a pu rien faire parce que là, il a été vraiment abandonné par sa défense qui n'a pas été plus agressif à récupérer le deuxième ballon. Et ça fait 2-1, mesdames, messieurs. Et pour terminer, depuis la 6ème minute de cette rencontre, et l'inspirateur vient de repasser devant les derniers pour dire à Bébé. Et voilà, là c'est Thomas Nzengue, qui va peut-être pour nous de la prestation de cette poule. Oui, parce que même il y a aussi là, le président de la section football, M. Tshisekedi, qui lui a fixé l'objectif 3 points au sein de Vector. Je crois que là, ils sont dans une dynamique, ils sont en train d'arriver à capitaliser parce que les joueurs ont intériorisé cette politique. Ils sont en train de le matérialiser, sur le terrain, bien qu'étant mené en début de rencontre. Mais là, il vient de passer devant avec le deuxième but. Voilà, 2 minutes de temps, madame. On va le
simple, divertis, passez passe, on prend des cours, Jésus Mouloko qui t'appelle, c'est toujours lui, Jésus Mouloko, Jésus Mouloko, qui revient en arrière, à pour Djuma Chabani, sur un vieux quotidien du top de connaissance de nous. La Il est parti, attention, la frappe est Moukoko, et c'est pour préparer les Français dans les attaques. Moussourou, Moussourou, tout ça va repartir. Il va aller en solitaire, il perd le ballon. Le deck, le motima, mais qui repart. Donc, il grandit cette passe. Et donc, attention, pour qui tu l'as dit ? Ah, il a fait un bon geste. Il n'y a rien, il n'y a pas. Il y a rien, il n'y a pas de position de l'équipe qui tourne. Et c'est comme lui qui tu l'as dit. Au niveau de l'axe central des vecteurs, il y a beaucoup d'hésitations sur Mangala et Padou. Ils hésitent au niveau des interventions. Parfois, ils préfèrent la seconde aille. Donc, ils doivent chercher à jouer beaucoup plus la complémentarité. Et c'est une bonne phase dans la première mi-temps. On a senti une bonne réaction. Et donc, deux équipes joueuses qui ont envie de faire le grand match. Et ça se justifie par ce score de 2 buts à 1 parce qu'on a senti ces deux clubs qui avaient beaucoup plus d'envie, qui ont annoncé beaucoup plus au point de vue. Occasion nette, ils ont réussi et ils ont marqué le but. Eh, madame, monsieur, ça n'est pas fini pour la première partie, pour le premier acte de ce derby.
crier belle vitesse à G. Crier belle vitesse à G.